Meghan Markle a profité d'un moment en famille avec Kate Middleton et leurs enfants dans le Berkshire, pour assister au match de polo d'Harry et William. Malheureusement, la duchesse n'a pas échappé aux critiques des internautes sur sa manière de porter Archie. Meghan Markle continue de s'attirer les foudres des internautes. Le moindre geste que la duchesse de Sussex fait est épié et vivement critiqué sur la toile. Cette fois-ci, c'est la manière dont elle portait son bébé, Archie Harrison, qui a été passé au crible. La jeune maman et Kate Middleton étaient réunies dans le Berkshire avec leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis et le petit dernier, pour assister à un match de polo auquel jouaient les princes William et Harry. Lors de cet événement, l'ancienne actrice de Suits tenait son bébé, entourée d'une couverture, dans les bras. Sur la toile, plusieurs commentaires, notamment repérés par Gala et The Mirror, de haters ont fusé, Meghan semble être sur le point de le lâcher, elle va faire tomber ce bébé. Meghan ne sait pas comment porter son propre bébé, la façon dont le petit Archie est tenu est effrayante, quel genre de mère tient son bébé comme ça? Pourquoi ne sait-elle pas tenir son bébé correctement après 2 mois? Cela semble bizarre. Manifestement, la nourrice s'occupe de lui la plupart du temps, lit-on sur les réseaux sociaux. Le couple de Sussex commence à avoir l'habitude de lire et entendre des remarques désobligeantes sur leur manière d'éduquer leur enfant. Le samedi 6 juillet dernier, Archie Harrison a été baptisé en la chapelle Saint-Georges du château de Sussex. Par souci de discrétion, les jeunes parents ont préféré que cette cérémonie reste privée, avec seulement 25 invités. Un choix vivement critiqué, aussi bien en interne avec le prince William, qu'à l'extérieur de la famille royale britannique. Ambiance. On your